Salut les amis, c'est Dino Oliveira, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve donc pour FIFA 19. On va être au début de la saison, alors hop, il m'a envoyé un rapport final, il a 66 de général, il a 87 d'accélération, 86 de vitesse. Oh, il est sympa, hein. Il est sympa quand même. Hein. Il est sympa quand même. Bon, on verra. On verra si je peux le prendre ou pas. Hop. On verra si je peux le prendre ou pas. En attendant, on doit jouer un match. Je sais pas si il y a eu des nouveautés. Bah, Wang Boen, il a déjà effectué ses grands débuts, n'est-ce pas? À l'ancienne, l'équipe pourra-t-elle jouer à la montée? Ok. Ok, donc... normal, quoi. Donc on fait jouer... Hop. Je pense qu'on va faire jouer quand même Priva. Ok, je pense qu'on va rester comme ça. Hein. On va rester comme ça, on va rester comme ça. On va peut-être mettre Thiago Xavier à la place de Mason. MDR. Et puis c'est tout. Ah ouais, par contre, je l'ai fait comme ça. Bah ouais, écoute. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. On va jouer le match contre l'AJ Auxerre. Et là, par contre, on va mettre Thiago Xavier. Voilà. Donc du coup, ça fait que on aurait dans l'équipe Zidane, Kufo, Aloé, Nakayama, Dos Santos, Thiago Xavier, Nestor, Robeil, Wang Bowen, Raspentino et Priva. C'est parti. On va espérer faire un bon match. J'ai bien dit on va espérer les gars. C'est pas sûr qu'on fasse le bon match, mais... on fera toujours mieux... que le match d'avant. C'est de la merde ce mini-jeu. Le truc il m'a gonflé dès le départ, tu vois. Bonjour à vous qui nous rejoignez pour ce match de reprise de championnat. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, hein, Pierre. Bien sûr, Hervé, on va pouvoir situer l'état de forme des joueurs. Pour ce match, vous allez retrouver Valenciennes face à la JOCR. Bah, l'état de forme. Petit pronostic peut-être, Pierre. Ah, je l'attendais celle-là. On a gagné une finale. Les deux formations sont du même niveau. Au poil de cul. Un coup de pierrette, c'est pas faire. Hein. Comme ça, tu vois, je me mouille pas trop. Alors, le nouveau défenseur central débute aujourd'hui. Il est revenu renforcer cette équipe pendant le mercato et il est déjà titulaire pour ce match. L'entraîneur qui compte beaucoup sur l'apport de sa dernière. Bah, les trois, en fait, les trois gars que j'ai pris, ils sont déjà titulaires, en fait. De très près. Les trois gars que j'ai pris sont déjà titulaires. C'est dire à quel point notre équipe, elle est pas ouf. C'est annoncé pour 43 000 places. Ouais. Après, c'est surtout que c'est une équipe, je trouve, vieille. Donc, forcément. Forcément, forcément. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Mmh. Voici donc l'équipe visiteuse alignée par l'entraîneur. Je suis en train de regarder un petit peu les... retenu par l'entraîneur aujourd'hui. Un 4-5-1 semble-t-il. Le design un petit peu du stade. Et effectivement, il y a l'air d'y avoir des places qui manquent.
Bon, c'est plutôt sympa. L'arbitre qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Dos Santos. On va essayer de... Swan Priva. De commencer. De bien commencer. Ouais, ils ont beaucoup à jouer là, attention. De bien commencer. Ouais, et merde. Son équipe avec ce tacle. Ballon rendu à l'adversaire, ce sera une touche. Wang Bowen. Bon. Buffon. Dragon ne passe pas. Support jeu. Et cet enfoiré, il a réussi à me récupérer. Bon. Pas très grave. Aïe. Wang Bowen. Allez. Swan Priva. Ouais, par contre, t'as vu le nombre de gars qu'il y a Le public qui se manifeste. Bah ouais, bah il a beau se manifester, le public... Elle était quand même pas mal placée, hein. Elle était bien placée, je trouve. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Ouais, trop gros danger pour moi. Et la bonne anticipation sur ce centre. Aïe. Ouais, très bonne récupération, il y a danger. Eh putain. Complètement manqué. La voilà la frappe. Le gardien qui repousse, attention. Allez, Wang Bowen. Priva, va falloir que tu fonces. Oh, je l'ai récupéré. Putain. Dommage. Dommage, putain, je l'avais récupéré, mais... Ouais, de toute façon, elle était pas cadrée. Je croyais qu'elle partait au-dessus de où j'étais placé, enfin... Façon de la caméra, en fait. Mais elle était juste pas cadrée, en fait. Bon, par contre, clairement... Clairement là mon perso il est resté au sol là les gars. On écarte le jeu. Les gars Swan Priva. Putain. Est-ce que j'ai un blessé? Tuffo il est blessé. Ouais, corner, ce ballon il s'est blessé au burn. Corner. L'entraîneur qui a tenu à encourager ce joueur qui a enchaîné les bons matchs dernièrement. Oui, la même invité en conf à poursuivre dans son Bowen, le dragon sacré. Le corner en direction des points. La haute Nestor. Ah, dommage. Non, ce ballon qui passe trop haut. Oui, il ne peut pas prendre le ballon. Il est déjà blessé, ça va me saouler. J'espère que c'est rien. Il va quand même pouvoir gérer le reste du match. Je ne sais pas s'il l'a vu. Sa chance. Putain. Ah non, manque d'application. J'en ai marre, à chaque fois je me foire. C'est quoi ce délire? Et ce ballon est intercepté. Bon, apparemment ça va. Ah non, il rentre le ballon à l'adversaire là. Ouais. C'est pour mieux le récupérer après. Il avait bien senti le coup. Sauf si je fais ce genre de merde, n'est-ce pas? C'est bon, y'a rien. J'ai juste joué le joueur au lieu de la balle. C'est le dragon sacré, quoi. Bon, le carton jaune. Bon, excusez-moi, hein, mais c'est lui qui l'a cherché. Parce que s'il avait pas bougé au dernier moment, je l'avais, la balle. Voilà, je sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Ah oui, la bonne passe. Il a vu l'appel. Ah putain. Oh, ça y est, le danger qui s'éloigne. Oh, la défense a eu chaud. Dos Santos. Interception. Okay. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est bon. Bah, bien joué, Thiago Xavier, là, pour le coup. J'ai rien à dire. Wang Bowen. Dragon sacré. La solution dans l'axe, peut-être. Ah ou. Et là, par contre, y a pas de faute. Non, non, bah oui, non, bah non, évidemment, arbitre. Y a pas de faute. Bah non.
Il y aurait eu faute. Ça serait vu, non? Le long de la ligne de touche. Ah, la passe mal ajustée. Il récupère un ballon facile. Allez. Oh, putain. Pas beaucoup de temps additionnel, si. Seulement 2 minutes. Oh, allez, Raspentino, fonce. Ah, putain. C'est un chier. Allez, corner. Cette équipe qui peut profiter de ce corner pour mener au score. Et ça, les supporters l'ont évidemment bien compris. Un gardien qui préfère la frappe. Non, mais putain, mais fais pas des frappes à ras de terre sur le gardien, quoi. Dans ce match, toujours pas de but, 0-0. 0-0. Je sens que je vais galérer à les faire monter en première division, ceux-là. Ou alors, faut que je change de stratégie de jeu. Et c'est parti pour la seconde période. Parce que c'est peut-être à cause de la stratégie de jeu, hein, parce que quand je suis en offensif, là par exemple, je vais me mettre en offensif. Bon, par contre, évidemment, faut que je change tout. Hein, c'est vraiment le truc à la con, ce système. Hein. Parce que à chaque fois que tu veux changer un joueur, à chaque fois, faut que tu changes tout. Et ça, vraiment, c'est une stratégie à la con. Je suis désolé de le dire, mais c'est débile d'avoir fait ça. C'est vraiment débile, parce qu'à chaque fois, t'es obligé de tout changer. Ça fout la merde dans tout le truc. Hein. Donc bon... Bon. Je changerai de stratégie de jeu quand. Allez, il y a du monde autour de lui, il y a peut-être un coup à jouer. Mais du coup, ça sert plus à rien de en fait d'avoir les styles offensifs et tout ça. Parce que bon, excuse-moi, mais. Évidemment, le dernier recrutement. Non, mais. Et là, il n'y a pas de faute, là. Évident. Ouais, parce que j'allais dire. Vite, c'est joué. Wang Bowen. Dragon! C'est une occasion de prendre l'avantage. Fais chier! Priva, on va le changer, on va mettre Oudé à la place, je pense. Le Priva est déjà crevé de ce qu'il fait. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain, devant son public. Oui, ça devrait se faire. Et la voilà, la frappe. Bien joué, ça. C'était une vraie chance pour eux de prendre les devants. Ça va être un changement du côté de Valenciennes. Ah, c'est une bonne nouvelle pour le remplaçant qui va gagner un peu en temps de jeu. Ok. On s'approche du but. Wang Bowen. Le centre. Ah, mais putain, mais il dévie tous les centres, le gars. Il est bien sorti, ce sera un corner. Il dévie tous les centres, c'est pas possible. Un corner bien tiré au niveau du point de penalty. Ouais. S'il était bien tiré, il y aurait eu but. Or, il n'y a pas eu but. Et Nakayama! Trop greedy! Qu'est-ce que. Robey, il commence à être crevé. On va mettre Mauricio à la place. Raspentino, il commence à être crevé également. Je ne peux pas le changer, malheureusement. On va remplacer Nestor. On va mettre Masuema. On verra bien. On va mettre les deux, tant qu'à faire. On va faire entrer deux coéquipiers. Florian Raspentino. Allez. Ouais, défenseur qui est passé. Ah, putain. C'était tellement prévisible. Et ça sort, corner à suivre. Le corner, allez. Le ballon en pleine surface. Allez, Masuela. Putain. Mais ils sont combien en défense? Wang Bowen. Bon, par contre, là,
c'est plutôt simple de passer. Attention à la frappe. Par contre, c'est le tir qui pose problème à la fin. Adeoti. Ok. Interception. Il est sorti de nulle part. Il a jailli. Ah, la passe en profondeur. Attention. Allez, Roudé. Oh non, mais non, mais hey, ils sont, c'est des ouf en défense, sans déconner. C'est quoi cette défense maintenant? Tu peux plus rien faire. Tu galères pour mettre un but. Hey, on peut pas dire que j'essaye pas, les gars. Vous pouvez pas dire que j'essaye pas, parce que là, ce serait mentir, quoi. On a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Rémi du Gibon, qu'est-ce qu'il est au fond de fond. Personne dans le couloir. Mais tu vas voir, eux, ils vont avoir un seul. Il ne donnera rien du tout, ce centre. Putain. À part une sortie de but. C'est là, c'est eux, ils ont un seul tir et il fait but, quoi. Alors là, mais je rage, mais complet. Bon, c'est un boulevard là, qui s'ouvre devant lui. Wang Bowen. Putain! Décisif, hein, qui évite certainement la défaite à son équipe sur cet arrêt. Oui, si ça se termine par un nul, on pourra dire que c'est grâce à lui. Il prend sa chance. Mais putain! Y'a rien qui passe! Putain, mais sans déconner! Je vais commencer avec un match nul! Je vais commencer la saison par un match nul! Parce qu'il n'y a rien qui est passé. Plus que 5 minutes à jouer, on est toujours à égalité pour le moment. Allez, Raspentino, tout seul. Ouais, la frappe. Putain. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Putain. Le ballon monte après la reprise, hein, c'est sans danger pour le gardien. Le ballon était bien posé, le problème n'est pas là. Peut-être putain. Un peu de précipitation dans la finition. Mais le pire, c'est que je gère. Enfin, non mais là il y avait faute là par contre. Le ballon qui change de camp. Le pire c'est que j'ai la possession de balle et tout, hein. J'ai tout ce que tu veux, hein. Mais il y a rien qui passe. Bon par contre ça c'était de la merde ce que je viens de faire. Je me suis précipité, j'avoue. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Non, je le sens mal. Je le sens mal. Là pour le centre. Ça va. Quoi? Non, elle était à nous là. Elle était à nous. Intercepté, hein, mais la défense est quand même sous pression. Putain. Et l'arbitre qui va renvoyer les deux équipes au vestiaire. 0-0. De parité. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, Pierre? C'est équilibré, hein. On a vu des belles choses, d'autres un peu moins bonnes. Mais... Allez, c'est un point de prix. Commence par un 0-0. Mais ouais. Mais sans déconner, c'est une défense de taré qu'ils ont eu. Enfin, je suis désolé de le dire, mais il y a un moment. Respectez-nous, quoi. La défense, c'est n'importe quoi, là. Putain! Le nombre d'occasions que j'ai eues, comparé à celles qu'ils ont eues, c'est n'importe quoi. C'est un truc de ouf. Un truc de taré. J'aurais eu beau tout essayer, il n'y aura rien qui sera passé. Gezoui a été vendu. Oui, je l'ai vendu en... Je l'ai vendu entre deux... entre deux enregistrements. Mais sans déconner. Bon alors. Bref. On va pas s'étendre... outre mesure, n'est-ce pas? Tactique de jeu. C'est parti, pressing de tous les instants. Votre équipe préserve sa forme jusqu'à ce que le pressing soit possible. Largeur. On va étendre un petit peu. Profondeur. On va le mettre... Bah, je pense que là, il était bien. Style offensif. On va mettre construction rapide. Avec si possible beaucoup de personnes dans la surface.
Genre là, c'est bien. Là, ça fait un peu beaucoup quand même. Non, là, je pense que c'est bien. Ça ou ça. Non, on va le mettre comme ça. On va le mettre comme ça. C'est plutôt sympa comme ça. Les corners. Là, c'est plutôt sympa. Les coups francs, 3, c'est suffisant. Libré offensif. Soutien sur les centres dans la surface. Soutien sur les centres. Rester aux abords de la surface. Ils font des appels de balles quand ça se présente. Tous devant, rejoindre l'attaque et tout ça. Faux numéro 9, on va éviter. Mix attaque, faire des appels de balles quand l'occasion se présente. Ok. Course de soutien, c'est quoi ça? Rester axial, débordé. Ok. On va mettre un pivot et un dans le dos de la défense. J'espère qu'avec ces petits ajustements tactiques, voyez-vous, on aura un peu plus de peps. Alors, on va augmenter un petit peu nos joueurs. Wang Bowen. Déjà. Parce que Wang Bowen, c'est mon gars. C'est mon gars. Il a quand même fait pas mal de bonnes choses dernièrement, donc ça me paraît évident. Ah, c'est con que ici ils ont pas augmenté un petit peu les trucs pour les gardiens en fait. Pour avoir. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est réflexe ou un truc comme ça. Ou réaction. Je crois que c'est réaction. On va augmenter un petit peu le gardien, quoi. Donc. Ça augmente pas des masses hein, chez Wang Bowen. On va sauvegarder les gars. Notre carrière YouTube. On va voir si... Hop. Rapport mensuel sur les jeunes. Alessandro Mancini. Alessandro Mancini, 16 ans, potentiel 69-89, MOC, 55 de général pour l'instant. MOC gauche. Ok. Rapport de recrutement, voyons voir. Ça, c'est de la merde. On dégage. Ça, Christophe Bellecour, pourquoi pas. Ça, c'est de la merde. On dégage. Antoine Pinault, ça a l'air d'être de la merde. On dégage. Vigne, ça a l'air d'être de la merde. On dégage. Lui, par contre, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Pour l'instant, hein. Pour l'instant. Donc, on va le recruter. On va le recruter, on va voir ce que ça donne. Offre de transfert pour Ambry, Paris FC. Je rejette l'offre. Tout simplement parce que j'ai pas assez de. Enfin, j'ai pas assez. J'ai suffisamment de buteurs. Et si je le revends, par contre, j'en aurai plus assez. Hop. Entraînement soigné, mode carrière manager. On va faire un recruteur futur star. Je sais pas si ça fonctionne. Non, c'est que une fois par an, apparemment. Le recruteur futur star, c'est qu'une fois par saison. Donc c'est pas grave.
On a quand même changé notre manière de jouer, donc on va voir, hein. On va voir si ça change. Spantino, il va rester. Robey, par contre, on va le changer. On va mettre Roudé à la place. Et il y a eu des level up hein, dans le coin, quand même, je pense. Hop, jouer le match. Il y a certainement eu des level up. Des personnes qui ont baissé également. Parce que Roudé, je l'ai vu, à la base il est à 70, là il est déjà plus qu'à 69. Donc bon. Alors là, Bonjour on à est tous, Pierre Ménès et moi-même, nous vous souhaitons au une très joyeuse année FC dans la bienvenue Sochaux. pour ce match. Oui, ben déjà, bienvenue à tous. Bonjour Hervé, et puis oui, bonne année aussi. Le gars, bonne année, alors que À l'ancienne, c'est une que le début formation de la qualifiée saison, tu sais, on est Lyon-Lille en lors de août. son dernier Enfin, il match me à semble que domicile face ça à la débute en août. JOCR. Un match où personne n'avait été capable de marquer le moindre but. La composition de l'équipe locale qui Alors, s'affiche. voyons voir. Et on découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un But attaquant axial Kivski. et deux Ça, c'est joueurs sur du les nom, ça. côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. Ok. Voilà, c'est un stade qui se distingue par une architecture très moderne. Hein. Oui, en effet, les concepteurs ont posé un toit qui court le long des tribunes d'un seul tenant. Au niveau architectural, voyez-vous, Monsieur Batou, c'est quand même une performance. Oui, on s'en fout que ce soit une performance ou pas. L'important, c'est de gagner. La bonne interception. C'est bête. C'est très, très bête. Us! Ah, la J'ai passe loupé. complètement manquée, c'est cadeau. Les attentes Et de l'ouverture Nakayama. dans la défense. Ok, Un danger on qui récupère quand s'éloigne, même. c'était pourtant bien donné. Wang Bowen. Ça, c'est fait. Swan Privar. Hop. Sébastien Boudé! Roudé, le gardien qui repousse, Eh, attention! s'il me refait un coup de l'autre fois là. Où j'ai fait match nul, où je fais match nul alors que j'ai eu plein d'occasions franches. Il y a un moment, je vais finir par rage quitter le jeu. C'est pas possible autrement, je veux dire. Parce que là, Avec un tir, excusez-moi, ouais, pas mais. de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Il y a un moment, j'ai quand même. Wang Bowen, Swan Privar. UFO. Ouais, ils ont beaucoup à jouer là, Bah attention. ouais, mais hé! Hey, Ouais, le je fais la cadre passe fait et le ballon perdu. il le bloque aussi, ce bâtard là. Et Culé! l'attaque se termine, ballon dégagé. Gnie. Ah, la passe mal ajustée, il récupère un ballon facile. Ouais, elle a du Allez, Wang potentiel Bowen! cette attaque, ça peut très bien faire un but. Le Boule! tir. Le dragon sacré, les gars! Et ça, c'est un but qui va tout changer. Le dragon sacré! La lucarne du Il dragon va falloir sacré! ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. Ça, c'est fait! Wang Bowen, best player ever. Ouais, Bon, en tout cas, moi, ça peut souvent coûter. à Ouais, chaque mais fois que on je l'ai est pris dans mon impatient, hein, équipe, ça il m'a compte jamais dans ce déçu, tour. hein, Wang Bowen. Que ce soit dans FIFA 19 ou dans FIFA 18, parce que je l'ai découvert dans FIFA 18, mais il m'a jamais déçu. Et ça Aussi finit bien 1-0 au défensivement tableau qu'offensivement. d'affichage. Allez. Maintenant, faut rester au top niveau, les gars. Ah merde. Oh dommage, cette faute, ça va donner un bon coup franc. Ouais, il n'y a pas de carton, hein. Allez, C'est. coup franc direct, je pense, pour égaliser, pourquoi pas. Oula, Ouais. très mal tiré ce coup franc. On a l'impression qu'il n'y croyait pas du tout. Du coup, il aurait mieux fait de laisser sa place à quelqu'un d'autre. Ah, c'est pas faux. Ce ballon qui est intercepté. Alors, par contre, ça, c'était très mal joué de ma part. Et
Le tir. Oh, magnifique! On le croyait battu! C'est bon! Et il nous sort! Allô, oui! Exceptionnel. Ah ben, c'est vraiment là que le mot dernier rempart prend toute sa signification. Ouais, oh, mais a fait. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Bah ouais, mais ouais. Allez, ils peuvent égaliser là. Eh, hey, il y a un moment, faut. Danger, je veux bien, hein, mais. Ballon qui a été dévié à ce. Ils veulent trop égaliser à mon goût. Faux. Hop là. Swan Privar. Lorient Raspantino. Le ballon qui ouais, change de malheureusement, il n'y a pas beaucoup de vitesse en attaque. C'est pour ça que. On n'a pas grand chose. On n'a pas grand chose. La passe en profondeur. Je vais pour l'avoir. Allez, dans la boîte, moi, tu vois, ça fonctionne pas, moi. Oh, c'est à côté. Oh, c'est pas passé loin. Ouais, c'est une occasion nette qui s'envole. Allez. Parce que bon, Sébastien Roudet, il est pas il est pas rapide hein. Rafa Navarro. Finalement, tu vois avoir le gars que j'ai découvert là, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa, quoique j'ai quand même j'ai quand même un MOC. Dans mon à l'affût de dans mon centre de formation, donc ça bon, devrait ça devrait pouvoir se faire que je le sorte. Faut allez, juste que je le j'augmente à mort au niveau du centre de formation, du centre d'entraînement et tout ça. Bon, le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période, sans être étincelant, on peut dire qu'il a été bon quand même. C'est grâce à lui si son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Ouais. On manque quand même de vitesse. Hein. Je verrai bien en off, de toute façon. Je bafouille tellement. En off, je verrai bien au niveau de mon centre de jeunes. Enfin, le centre de formation. Ce que je pourrais. Peut-être. Hein, je dis bien peut-être. Sortir très rapidement hein, parce que par exemple il y en a un à mon avis il a au moins les 60 de général requis pour avoir allez, au moins les dotés d'un énorme pelouse, potentiel n'est-ce parti. Pas donc interception je pense que il y aura faire. Au moins une personne qui pourra être qui pourra sortir du centre de formation assez rapidement ouais, peut-être les deux hein, peut-être les deux celui qui est du recruteur futur star. Franchement, c'est un milieu offensif, mais il me fait de l'œil. Wang Bowen. Ouais, lumineux, cette passe. Ah ! Pas assez rapide, Kufo. Kufo, pas assez rapide. Ça a été confirmé. Schalke 04 vient de se renforcer avec un très bon. Allez, Wang Bowen, oui, le dragon sacré. Le montant de la transaction aurait atteint une somme astronomique. Wang Bowen. Tain. Et allez, en même temps, t'as vu combien ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils sont 8, les gars. Ils sont 8 en défense. Ça veut strictement rien dire. Ah, putain. Il faut. Oh, je suis obligé de revenir en arrière. Hein. Peut-être par là. Ouais, peut-être un centre à venir. Je suis passé, ça va être mais j'ai pas réussi à faire le centre. 50. J'ai pas réussi à faire mon centre, malheureusement. On va commencer à faire quelques changements. Peut-être peut-être on va changer Wang Bowen, histoire qu'il se repose un peu. On va mettre Mauricio à la place. Ça va être un changement du côté de Valenciennes. Ouais, l'entraîneur qui préfère injecter du sang frais à ce moment du match. On va mettre Mauricio, c'est parti. Et merde. 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Rafa Navarro. Changement de possession. Allez Mauricio.
Prouve-moi que j'ai eu raison de te... Aïe. Prouve-moi que j'ai eu raison de te faire... te mettre... sur le terrain. Puis il se fait tacler et voilà. Attention, y a un peu bon, alors là, par contre, c'est clairement le boulevard, quoi. Ouais, le tacle. Ah, mais il y a un moment, je suis pas allé le chercher parce que le gars, il se... Ça sert à rien de se fatiguer pour rien, quoi. Le gars, il est plus rapide que moi, puis c'est tout. Florian Raspantino. Eh, merde. Il perd le ballon. Deadpool ! Petit aveu d'impuissance, hein, quoi. Oui, j'avoue. Oh non, il allez. Un peu cette occasion. Massouema. On va le mettre. Rob Bale. Est-ce qu'il peut être... Il peut être MOC, mais il peut pas être buteur. Par contre, lui... Non, ça servira à rien. Ça servira à rien. Bon, bah, écoute. Tant pis, on va faire rentrer Thiago Xavier en même temps. Si vous voulez, mon avis, on va... On va cadenasser un petit peu tout ça, vous voyez. On va cadenasser tout ça et puis... ça va bien se passer. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir. Allez ! Un repositionnement tactique. Sébastien Roudet. Oh, c'est dommage. Allez, pour faire le break, pourquoi pas. C'est dommage. Allez, un petit coup de l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté. Changement tactique. Il est où, peut-être ce il qui est là, manquait à son équipe. Enfin, Sloan Priva. Le corner, le j'ai pas réussi à l'avoir. Va-t-il parvenir à centrer? Ah putain. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. L'ambiance qui monte, le public pousse pour que cette équipe égalise. Allez, continue. Oh, il a du soutien, ça peut être dangereux. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Et la hop là. Sortie, le gardien. Eh ouais, mon gars. Eh ouais, mon gars. Les 9 dernières minutes du temps réglementaire. Avec un tir. Attention. Parce que... Oh, la lunette. La lunette. La lunette. La lunette. Po, 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 la lunette, 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 le retour du sifflet. Ah putain, c'est bon ça. Le ralenti sur ce but. On a fait la droite et la gauche, bim. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, maintenant c'est bon, on a l'avance qu'il faut. On peut rester tranquille. Et gérer la fin de match, tout simplement. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. On va... Putain. Ah, c'est un ballon perdu. Ah, la bonne qualité de ses passes. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Oui, c'est vrai, c'est cadeau. 2 minutes de temps additionnel. Ballon rendu à l'adversaire. C'est pas grave, c'est pas grave. Et voilà, c'est fini. Il a pas eu le temps de mettre son jaune. Un match qui se termine avec un excellent résultat pour eux. Ah là là. Au moins on a gagné, c'est le principal. On va s'attarder un petit instant sur ce joueur qui a quand même été très bon aujourd'hui, hein, Pierre. On a gagné, c'est le principal. Avec un but bien sûr, mais je pense que ça joue bien. Eh ben Wang Bowen aura encore frappé le dragon sacré, n'est-ce pas? Le dragon sacré aura encore frappé. Bon! Eh ben sur ce, l'épisode va se terminer certainement ici. J'espère que ça vous a plu et comme je vous l'ai dit,
Christophe Belcourt pourrait être directement sur le terrain. Parce que ben voilà, il a 67 de général, c'est suffisant pour le faire jouer. Ouais, ça peut être sympa. Donc il sera directement sur le terrain à partir du prochain épisode, je le ferai dans le prochain épisode. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à laisser un like, les j'aime, ça fait extrêmement plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas rater la suite de cette aventure folle qui nous attend, avec certainement un Christophe Belcourt qui va être dans notre équipe finale, certainement. Hein. Donc voilà, moi sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Dino Oliveira, ciao. やがて地が玉になるまで